tout réagit sous accord qui joigne entre FMI et le gouvernement haïtien qui a permis de gagner un prêt de 229 millions de dollars à taux zéro, un prêt concessionnel d'après Saïti. Or, entre autres considérations à travers accord ça, il dit qu'il a gagné de programmes sociaux. En notre qualité de président de la Commission des affaires sociales et du travail, et j'ai l'honneur d'avoir à mon côté l'ancien président de la Commission des affaires sociales, nous saluer à Corsa. Cependant, n'a tout lancé en mise en garde. Il faut réinventer le système d'assistance sociale dans ce pays. Le système d'assistance sociale tel qu'il existe dans ce pays, l'y encourager le népotisme, l'y encourager la corruption. Le système d'assistance sociale ou programme social tel qu'il existe dans ce pays, l'y pas répondre aux aspirations, aux besoins des plus déshérités. Nous ne pouvons pas, dans un pays, concevoir des programmes sociaux seulement à travers le programme Woy-Woy, qui pas gagné véritablement aucune incidence et qui pas contribué à l'amélioration des conditions de vie de ça qui pis mal. Donc, nous entendons suivre de près ce qui va être fait à travers ces millions qui, dans le cadre prêt ça entre FMI et le gouvernement haïtien, donc nous fait appel avec gouvernement, nous lancer mise en garde ça pour que programme social, si véritablement pral gagné, faut que ces deux programmes qui structurants, qui capables toucher les plus déshérités et qui somme toute a gagné un impact positif sous population.